Salut, salut les Camerounais, salut à tous les fans, salut à mon communicateur Laurent Chipi, salut à ma marraine, la baronne suisse depuis la Suisse, les deux personnes qui me soutiennent vraiment, Docteur Dieu merci, et tous ces gens qui sont avec moi. Voilà, j'ai fait cette sortie pour essayer d'éclaircir les choses. Les Camerounais, partagez au maximum cette vidéo. Déjà, je vous ai dit, je suis habillé par la maison américaine Samsung Green Big, vous voyez toujours. On a les nouveautés qui sont là, donc, à ce moment, parce que c'est le meilleur habillement américain qui existe dans le monde. Samsung Big Dream. Alors, je fais cette vidéo pour clarifier par rapport à la voiture que j'ai vue partout sur la toile. Oisdé adore la voiture après c'est mais Oisdé, je te respectais énormément. Mais depuis que je me suis retiré du groupe, je suis en train de voir que tu prends l'histoire de Prince Aimé, l'affaire de Prince Aimé, pour faire ton propre buzz, pour te donner du nom. Parce que je vois tes posts, c'est toi, tu te postes toujours, tu mets et tout. Même l'artiste, même tu n'as fait pas trop occurrence à l'artiste. Alors, du coup, je vais clarifier. La voiture que vous voyez là, j'ai vu une RAV4, la RAV4 là, c'est une RAV4 2008. C'est la même voiture dans laquelle nous avons voyagé pour aller à Yaoundé. Une très vieille voiture. Ce n'est pas parce que Prince Aimé aveugle que vous allez faire des choses. Même comme il dit qu'il m'écarte, même comme je me suis écarté, si vous des choses qui ne sont pas bien, moi je vais dire la vérité aux Camerounais, parce que les Camerounais sont habités. Et pour que tu fasses ton travail, tu dois bien faire ton travail. Tu as décidé de manager, il faut bien manager et non embrouiller les gens. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Ce n'est pas parce qu'il dit bien qu'il est aveugle que vous allez le tuer ou le tromper. Cette voiture, c'est la voiture dans laquelle nous avons voyagé pour la la voiture n'a pas de papier. En route, donc chaque fois, on nous arrêtait. Ça veut mon image. Le contrôle nous a arrêté parce que la voiture n'a pas de papier. Ça avait mon image, comme il sortait les gens, non, c'est gâteau intense. On part, on prenait les photos et moi, on nous laissait circuler. C'est pour ça qu'on n'a même pas eu à saisir cette voiture. Cette voiture avait un problème de climatisation totale. Et en plus, une voiture déjà, les amortisseurs sont même finis. Si c'est la RAV4 que j'ai vue là, je connais bien cette RAV4. Cette voiture a été louée à un frère de Renard pour nous accompagner à Yaoundé. Donc, ne faites pas les choses. Tu as promis une voiture de 30 millions. Moi, j'avais donné mon idée. Au lieu de donner même l'argent, c'était d'abord vrai. Bah, tu as 30 millions, tu fais quoi aux États-Unis? C'était même d'abord vrai. Hein? Au lieu de donner la voiture, tu devais construire la maison à Prince Aimé. Aider Prince Aimé avec beaucoup de choses. Oublie même quelque chose pour Prince Aimé. Alors, quand tu as promis, il faut faire. Vous allez voir l'image de la voiture, là, j'étais dedans. Une vieille voiture qui n'a pas les papiers, qui n'a pas les climatisations. Pourquoi vous manquez les Camerounais? Si tu veux faire ton beurre de Prince Aimé, fais doucement. Ne promets pas les choses que tu ne peux pas donner demain. Parce que ça va te couler, Wazé. J'avais du respect de l'estime pour toi, mais tu m'as déçu. Prince Aimé avait réussi, tu connais quoi? Vous savez pourquoi il a mis la photo de la voiture là? Parce que c'est une voiture, quand on a l'habitude d'appeler le chauffeur, donc le monsieur qui a ça, on le paye la journée. Et il porte Prince Aimé pour les différentes transactions. Mais elle n'appartient même pas à Prince Aimé. Et la voiture a coûté, c'est maxi, c'est 2008, c'est maxi, c'est 7-8 millions. La voiture là que vous avez vu. Une vieille voiture. Pourquoi vous mentez? Pourquoi les Camerounais avaient le respect que j'avais pour toi, Wazdé? Mieux tu filmais une autre voiture, même si on voit plus Prince Aimé dedans. Mieux tu filmais pour me duper. Arrêtez d'embrouiller les gens. Tu as décidé de travailler pour Prince Aimé. Tu as décidé de travailler pour Prince Aimé. Travaille bien. Fais le bon travail. J'ai commencé. Tout le monde a vu le bon travail. Je me suis écarté du groupe parce que je vois qu'il y avait trop de flou. Je ne suis pas encore en train de regarder pourquoi je m'écarte du groupe. Les Camerounais, vous n'êtes pas encore dit. J'ai parlé juste un petit aperçu de ce qui se passe. Mais j'ai vu trop de fou dans la famille, monsieur Gâté, parce que demain, la case va cuire. Il ne faudrait pas qu'on dise gâteau était dedans, non. Parce que c'est que dans le cours, la cuisson est en cours, c'est la grosse mamie. Ça va cuire bien même. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais surveiller tout ce que tu vas faire. Tu vas faire ton travail, Wazdé, tu vas faire ton travail de manager. Tu vas bien manager et tu vas dire la vérité aux Camerounais. Ne promets plus ce que tu ne peux pas donner. Tu as compris? J'attends ta sortie. Quand tu vas faire une sortie, tout le monde peut faire les pièces, les papiers. On peut se lever un matin. Nous sommes au Cameroun, vous connaissez. On peut se lever un matin, on va faire les certificats de vente. Quand on t'a fait comme nous. C'est comme les ventilateurs qu'on vend partout à 13 500. C'est rien du tout au Cameroun, les pièces, les certificats de vente. On connaît à tout ça. Et regardez-vous, même une voiture qu'on veut montrer aux gens. On prend quelle aile, là où ça brille un peu, parce que l'autre côté là est touché. C'est fini comme ça là. Faites le bon travail quand vous décidez de travailler pour quelqu'un. Mais là-bas. Ouais, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible. Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère. Regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire, je n'ai même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe, docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services? Oui, approche la caméra. Je suis monsieur Takuke Mathieu, dit docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé. Et quand un patient vient me voir,
qu'il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui dis, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème dans tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibromes, de kystes, de cancer, de troubles d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de sperme, de diabète, d'hypertension, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'était un traitement qu'il fait généralement à 67 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la Recherche à lancer avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour vos problèmes de santé, venez nous voir, vous ne serez pas déçus. Je consulte à Mandier le lundi, à Omnisport le mercredi et à Mendon le vendredi. J'ai trois tours dans la vidéo. Et je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher dès que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication, voilà le résultat.